Bonsoir Laurent. Bonsoir. Merci d'accueillir tardivement les Malouins dans la course. Françoise, bonsoir. Laurent, c'est un petit pincement au cœur parce que c'était la dernière Vespérale de la saison. Ouais, la dernière. Il y en a eu encore 15 de fête cette année, donc là c'était la dernière sortie Vespérale Volkswagen Saint-Malo. Organisée, c'est moi qui organise ça sous le compte de la SNBSM hein, qui est derrière tout ça. C'était un grand plaisir pour moi d'organiser toutes ces Vespérales. C'est vraiment une sortie conviviale. Ce n'est pas une régate, hein, faut bien l'entendre, c'est pas une régate. C'est quelque chose de convivial, d'amical. Ces soirées, tous les mercredis soirs quand il y a des dates, c'est galets de saucisses. Voilà, maintenant c'est fini pour l'année. C'est la trêve du confiseur. J'ai été le confiseur pendant 15 sorties. Je vais aller manger le chocolat Laurent, c'est merveilleux. Regardez, je vais vous emmener visiter un petit peu les coulisses là. Regardez encore un peu le monde qu'il y a à une heure avancée de la nuit là. Et voilà, on va aller jusqu'au bout. Toutes ces personnes ont participé à la soirée. Eh oui, ce soir on était 44 voiliers, plus 10 avirons, donc soit 54 embarcations sur l'eau. Ce qui est une grosse gestion déjà, c'est assez colossal quand même à faire. Salut Stéphane, c'est colossal, c'est un gros boulot, mais bon, je sais le faire. J'avais déjà une grosse expérience dans les pistes du Paris-Dakar et j'organisais des raids en Afrique. Donc je remets en fin de compte ce que je connais à l'africaine sur l'eau en fin de compte. Voilà, quoi. Alors maintenant, place à un autre événement majeur, la route du Rhum. Où on aura l'occasion de te retrouver sur la page des Malouins dans la course. Ce sera la petite surprise du mois d'octobre, on en reparlera ultérieurement. Et donc, quand est-ce qu'on aura le plaisir de te retrouver sur l'eau avec tout ce qui peut naviguer Alors, en ce qui me concerne au niveau organisation, pour moi, ça sera le 8 mai prochain, ça sera la première date de la sortie Vespérale 2019. Et on connaît déjà les dates, donc la première, je me répète, ça sera le 8 mai prochain. Et il y aura encore 15 mercredis soirs, donc j'invite tout le monde à venir, tous les propriétaires de bateaux, tous les niveaux. Ce n'est pas une régate, hein. je maintiens, je suis formel, ce n'est pas une régate, c'est quelque chose de convivial où on essaye juste de se faire une belle sortie amicale le mercredi soir. Donc les gens viennent de Dinard, Saint-Lunaire, Saint-Malo, certains viennent de Cancale, d'autres viennent de la Rance. Cette année, j'ai eu le plaisir d'accueillir les bateaux, beaucoup de bateaux de la route du Rhum qui seront sur le départ. Donc ça, c'était un immense plaisir pour moi. J'avais le souvenir aussi des Saintoises qui avaient participé, magnifique. La Saintoise qui est venue plusieurs fois, Caïcopé, ça fait rire beaucoup de monde. Ça aussi, ça fait des images magnifiques. Donc c'est un grand plaisir que l'année prochaine je reconduis les sorties Vespérales. Et nous, on peut témoigner vraiment de toute l'amitié chaleureuse et vraie qui règne autour des Vespérales. Laurent, merci de nous avoir fait rêver. On va attendre le mois de mai avec une impatience inouïe, mais nous, on va se retrouver très prochainement sur les Malouins dans la course. Bonne soirée, François. Merci Laurent. À bientôt, au revoir. Je t'embrasse, au revoir.